Voyons ce qu'il y a par ici. Hey! J'entends un bruit. Hey, là-haut! Ah!
ça alors? Je n'en crois pas mes yeux. C'est le Nightiba Alpha. On peut le reconnaître à son noyau. Un noyau Alpha? Si elle était... Eve. Je dois t'avouer quelque chose. Mais en vérité... Eh oh! Par ici! Est-ce que vous pouvez m'aider? S'il vous plaît! Une voix humaine? Le module. Y'a quelqu'un? Aidez-moi! À l'aide! Quoi? Les survivantes de l'escadron aéroporté? C'est toi qui as envoyé le signal de secours? Hein? Oui! Oui, c'est moi! T'es membre du 7e escadron aéroporté, c'est ça? Oui. Et toi? Oui. Laisse-moi me présenter. Je suis une ingénieure du 5e escadron aéroporté. Lily Artemis II. Mais tu peux juste m'appeler Lily. Pour récapituler, ça fait presque 2 ans que tu es dans cette cachette à attendre un autre escadron. Et puis, on est arrivé. Oui, merci beaucoup de m'avoir sauvée. J'ai attendu très longtemps qu'un escadron arrive. Je me suis vraiment sentie seule. C'est une vraie chance de t'avoir trouvée au bon moment. Eve, tu viens bien de l'équipe d'assaut de l'escadron? Oui. Donc, je peux être ton ingénieur attitré? Enfin, je vais avoir besoin d'équipement d'abord. De l'équipement? Je voulais vous dire quelque chose tout à l'heure. Je t'écoute. En fait, il y a une ville avec d'autres survivants. Je ne suis pas le seul. Quoi? Vraiment? Elle se nomme Xion, la dernière ville de l'humanité. Si on y va... On trouvera peut-être des gens pour nous aider. J'y ai un repère avec de l'équipement qui pourrait vous servir. Alors, allons-y, vite! Avant cela, je voudrais vous poser une question. Actuellement, Xion résiste grâce au conseil d'Orcal, qui est aussi notre leader spirituel. C'est compliqué. Eve, j'imagine que mener à bien ta mission ne doit pas être simple après avoir perdu tes compagnons. Alors, je t'en prie. Aide-moi à sauver Xion. Et alors je te promets qu'Orcal et moi ferons notre possible pour t'aider dans ta mission. Il s'agit de joindre nos forces et de s'entraider, comme on l'a déjà fait. Ça te va? Oui. Grâce au travail d'équipe, j'ai obtenu le noyau Alpha. Peut-être qu'on trouvera plus d'informations dans la ville, Eve. Imagine ça! Oui. Je suppose que je n'ai pas de raison de dire non. Par contre, j'aimerais décider après avoir écouté cette personne appelée Orcal. Ça ne posera pas de problème. Très bien. J'y vois pas d'inconvénient. Bon, je crois que c'est réglé alors. Très bien. En route pour Xion. Oui. Regardez ça! C'est immense! C'est étonnant de voir une ville dans un endroit pareil. À une époque, elle comptait bien plus de 100 000 habitants.
Évidemment, maintenant, il y en a moins. Ce que vous voyez en bas, c'est mon repère. Le débit du moteur auxiliaire est faible. Ça risque de secouer. Accrochez-vous. Sous les terres désolées. C'est impressionnant. Même dans les heures sombres, on peut toujours compter sur l'instinct de survie des humains. Alors, où va-t-on? Pas le temps de se reposer. Du Eve tout craché. Orcal est dans la chambre de présence. Suivez-moi. La ville semble s'étendre en profondeur et en hauteur.